Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, je suis à la bourre pour tout, donc aujourd'hui, vous verrez pas ma trombine. Non, tant pis, parce que j'ai pas le temps de faire la petite vidéo en avance et tout. Donc, on y va direct, comme avant. Alors, je viens vous présenter des Memory Dex que j'ai faites avec le set de Memory Dex de chez Globeland que je vous ai présenté la dernière fois dans le unboxing. Et vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous l'ai présenté, je vous ai dit, il y a des dice, je ne sais pas à quoi ils servent. Alors, je supposais qu'on pouvait faire une boîte avec, mais j'étais pas sûre, c'était pas trop ça. Et j'ai trouvé, donc c'est ce que je vais vous montrer dans le aujourd'hui comme tuto en fait. J'ai fait des Memory Dex, je vais vous les montrer. Là, je vous montre tout ce qu'on a dans le set, parce qu'il y a quand même beaucoup de dice. Là, j'ai 4 dice que je vais vous montrer après, comment ils fonctionnent, pardon. Mais je voulais quand même vous remontrer un peu en détail ceux-là. Donc, on a le dice Memory Dex classique. Ça, c'est une partie qu'on vient rajouter par-dessus. Alors, en même temps, je vais vous illustrer, comme ça, vous pourrez voir. Voilà, par exemple, j'ai fait celle-ci. Alors, mes petits gnomes, voilà, ça vient de chez eux aussi. Vous vous souvenez, j'avais choisi les gnomes de la Saint-Patrick. Donc, je les ai utilisés pour faire les Memory Dex. Donc, cette partie-là, elle vient pour se mettre ici. Voilà. On peut en mettre une derrière aussi, hein, si on veut renforcer. Ou bon, là, j'ai mise blanche pour ressortir un petit peu. Enfin, ça donne des idées pour faire plein de choses. Voilà. C'est là. Ouais, là, vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas. Bon, là, c'est une bannière qu'on a l'habitude. Là, c'est un tag pour la déco. On a l'habitude aussi. Ensuite, là, on a des dice bordures pour donner une forme différente à nos Memory Dex. Voilà, vous voyez, bon là on a toutes celles-ci, on a celle-ci, voilà, là on en a une comme ça, là on forme de nœuds, pour moi ce serait des nuages, voilà, et on a l'étoile et le cœur. Donc, il y en a certaines que j'ai découpées pour vous montrer. Donc l'étoile, ça donne ceci. Alors, on découpe la Memory Dex en premier, classique. Et une fois découpé, on a notre papier dans les mains. Hop, on vient placer notre dice. Voilà, comme ça. Et on repasse à la découpe et ça nous fait une étoile. Voilà. Donc on a l'étoile, on a le cœur qui est super beau. Bon, là, il est un petit peu grignoté, c'est juste parce que je faisais des tests et mon papier était juste limite. Mais bon, au moins, ça vous donne déjà une idée de ce que ça donne. Voilà. Donc, le cœur. Et ensuite, alors, la Memory Dex classique, j'aurais dû commencer par là. Voilà, donc, ce que je vous montrais, vous voyez, on vient placer. Parce que là, sur la Memory Dex classique, on a des petits pointillés, vous savez, les traits de couture, on va dire. Donc, on vient prendre ce dice qui a les traits de couture aussi. On les pose par-dessus, comme ceci. Et ça nous fait notre étoile. Voilà, ou notre cœur. Voilà. Et j'ai testé... Bon, je ne vous les ai pas tous faites. Hein. J'ai testé ce que j'appelle les nuages. Voilà. Donc, ça rend vraiment super beau. Hein. C'est super original. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc là, c'est avec le dice arrondi comme ça, là. Voilà. Après, je vous ai essayé les bordures pour faire les intercalaires. Donc, voilà. Alors là, c'est il y a juste pour ça que je mettrai un petit bémol parce que voilà, je m'explique.
En fait, pour faire les intercalaires, on prend la même base, donc celle-ci, et on vient les placer à ras en haut, certes, mais du coup, ça nous réduit quand même comparé aux autres. Voilà, l'intercalaire se voit pas vraiment beaucoup, quoi. C'est la seule petite chose que je trouve dommage. Bon, après, si c'est que ça, on peut très bien se faire une memory dex, faire une découpe partielle, allongée ici, et passer après avec le dice bordure. Ça, c'est tout à fait possible. Mais voilà, c'est le petit bémol que je trouve. Mais sinon, alors, tout coupe parfaitement. En un passage, c'est coupé. Ça, c'est vraiment top. Donc, voilà mon petit gnome. Voilà, donc intercalaire. Et ensuite, j'ai fait celui-ci avec la pointe là, comme ça. Voilà. Et pareil, les tampons du premier coup, c'est super bien tamponné. Vraiment parfait. Les découpes, alors j'aime beaucoup pour les découpes parce que il n'y a pas beaucoup de blanc autour. Il y en a, ça fait vraiment trop de blanc. Et là, c'est vraiment léger et j'aime vraiment bien. Bon, par contre, il ne faut pas se louper à la découpe. Ça, c'est sûr qu'il faut bien placer. Alors moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des gabarits. Comme ça, je pourrais faire mon tamponnage. Et après, je viens prendre le gabarit, le positionner dessus pour voir exactement où ça va découper. Et je poserai mon dice et je pourrai le découper comme ça. J'espère que j'ai été clair. Si jamais j'ai pas été clair et que vous voulez que je vous montre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, ça c'est le début, enfin, tous les dice qu'on a dans ce lot. Bon, il y en a quand même pas mal, hein. Je les ai pas comptés, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Là, rien que pour la memory dex, il y a 15 dice. Et dont on peut se servir pour autre chose aussi. Hein. Les dice bordures, on peut faire plein de choses. Voilà. Donc, je me fais de la place. Donc, on en arrive au fameux dice où je n'étais pas sûre de ce que je pouvais faire, en fait, avec. Mais ça y est. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va commencer par la plus simple. On peut faire une boîte pour ranger les memory dex à plat comme ça dedans. Donc pour ça, il faudra utiliser ce dice, deux découpes comme ça, une du grand carré et deux comme ça. Alors celui-ci, il a un tout petit défaut. Je ne sais pas si vous allez voir la caméra. C'est que là, le dice, hop, il manque un petit morceau de fer là en fait. Donc du coup, ben là, ça découpe pas sur un millimètre. Alors, c'est rien de grave, hein, un petit coup de cutter et c'est bon, hein, ou même un coup de ciseau, c'est pas... Mais voilà, c'est juste un tout petit défaut, mais bon. Sinon, tout le reste coupe parfaitement bien. Alors, j'ai fait mes découpes. Donc, un fond carré comme ça, deux de celui-ci et deux de celui-ci. Donc maintenant, on va monter la boîte. Hop, je mets ça sur le côté. Avant de monter la boîte, on va faire nos plis. Alors, là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Peut-être là. Donc là, vous avez tous les pointillés partout. Et donc, on plie sur les pointillés. Voilà. Hop. Je vais prendre mon plioir. Bien marquer les plis. Là. Là, celui-là, c'est le plus embêtant. Alors, quand c'est comme ça, on prend une règle, son plioir. Voilà. Et on le marque un peu mieux. Il a pris le pli sur le... On va faire autre
autrement. J'aurais dû commencer par là. Voilà. Hop. On va pas s'embêter avec un pli quand même. Allez, je vais faire la même chose de ce côté. Hop. Je vais le faire à l'envers déjà. Comme ça, ça me donne une base. Voilà. Hop. Ensuite, les côtés. Voilà. Donc, cela, c'est fait. Maintenant, on va faire la même chose avec cela. Hop. Et pareil pour celui-ci. Bon, je crois que la prochaine fois, je marquerai des plis avant, hein, ça vous ferait moins long. Hein. Bon voilà, nos plis sont faits, enfin. Donc on va venir y mettre du double face, tout fin, comme ceci. Hop. Alors, hop. Je vais en mettre ici. Je vais prendre... J'ai un petit bloc acrylique dont je me sers comme ça. Parce que comme ça, j'appuie bien dessus, il se colle bien. Et hop, on peut arracher. Alors, vous pourrez très bien le faire à la colle. Bon, c'est un peu plus long à sécher, c'est tout. Mais il n'y a aucun problème pour le faire avec de la colle. Donc là, je mets ici... Hop. Et ici, que je me trompe pas. Hop. Voilà, pareil là. Et voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant que mon double face est mis partout, eh bien on n'a plus qu'à coller. Alors, hop. Voilà. Donc je le plie bien. Et là, je vise bien. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Là, pareil. Voilà, donc maintenant je retire de chaque côté, non, je vais coller ceux-là d'abord,
Hop, je ferai les côtés après. Hop. Voilà. Vous voyez, en fin de compte, c'est que la préparation, hein, les plis où j'ai mis plus longtemps. Parce que sinon, le reste, c'est super rapide. Voilà, ça c'est fait. Hop. On retire celui-ci et celui-ci. Voilà, et là on vient coller bien bord à bord ici, comme ça, pareil de ce côté, comme ça, et on fait de l'autre côté pareil. Et voilà, donc encore bord à bord et bord à bord, et voilà notre boîte. Donc là maintenant mes Memoridex, elles sont rangées nickel. Alors j'en ai fait une autre auparavant, je voulais voir si elles s'enclenchaient ensemble, donc on va tester, parce que c'est vrai que ce serait plus pratique qu'on puisse avoir un couvercle. Ben voilà, nickel. Donc il suffit de faire deux boîtes identiques. Alors moi je vous conseille, si vous faites une deuxième boîte comme ça, bon déjà de recouper un carré comme ceci pour la déco, pour le recoller dessus, ça sera quand même beaucoup plus joli. Et puis là, d'un côté, de mettre un petit morceau de ruban ou quelque chose comme ça pour faire une petite languette pour pouvoir ouvrir plus facilement. Mais en tout cas, ça marche. Ça nous fait une jolie petite boîte pour ranger nos Memoridex. Hop, voilà. Hop, ouais, ça le fait. Donc voilà, ça c'était vraiment ce morceau-là. Ma bête noire, on va dire, parce que je ne voyais absolument pas. Et puis, c'est quand j'ai eu fait mes Memoridex, je sais pas pourquoi, je les ai placés dedans. Et puis, j'ai dit, ça doit rentrer. Et puis, ben voilà. Vous voyez, parfois, on voit pas les choses tout de suite. Donc, voilà une première boîte que l'on peut faire avec. Alors, soit on les laisse comme ça, ou soit on fait deux fois la boîte, et ça nous fait le couvercle. Donc, ça, je trouve ça super sympa, parce que, bon, même... sans parler de Memoridex, ça nous fait une petite boîte dans laquelle on peut ranger des choses qu'on peut offrir ou ce genre de choses. Enfin, on peut mettre des Memoridex pour offrir à une copine. On peut très bien mettre, comment, j'allais dire du coton, mais ou des choses comme ça pour offrir un petit bijou. Enfin, on peut faire plein de choses avec une boîte comme ça. Donc voilà, alors ça c'est bon. Maintenant, on va passer à la deuxième boîte que l'on peut faire. Donc pour ça, il nous faut ce dice là, le carré. On reprend celui-ci. Alors le carré, on le fait une fois. Celui-ci, on le fait deux fois. Et celui-ci, on le fait deux fois. Il va nous falloir aussi... Alors moi, je l'ai fait avec des pailles, mais je sais que certaines le font avec des pics à brochettes. Donc, besoin de pailles comme ceci. Alors, j'ai pas regardé la dimension des pailles. Ouais, si, il en faut deux. Voilà, deux pailles parce que normalement, ça nous fait 10 cm, même peut-être un peu plus. Ouais, ça fait presque 10 et demi, un peu plus de 10 et demi. On va mesurer exactement. Hop. Ouais, ça fait 10 et demi. Alors, donc, genre, reviens, il nous faut... ces trois dies là et deux pailles. Nos deux pailles, on va déjà les préparer. Alors on sait que là,
C'est un carré qui fait 10,5, logiquement par 10,5. Hein. Je préfère vérifier, mais bon, ouais, c'est ça. 10,5 par 10,5. Donc, on va couper nos pailles à 12,5. On rajoute 2 cm. Donc, pour couper la paille, un cutter, un ciseau, ce que vous voulez. Moi, je cherche mon cutter, comme d'habitude. Voilà. Donc, j'ai dit à 12,5. Hop, hop, hop. Un crayon à papier. Voilà. Donc, 12,5, c'est ici. Là, on coupe. Bon, vu que c'est des pailles en papier, ça va tout seul. Voilà. Une fois qu'on a coupé notre paille à 10,5, on va revenir prendre nos mesures et on va faire une marque à 1 cm de chaque côté. Voilà. Hop. Hop. Voilà, tout le tour, on essaye. Voilà. Et on fait ça sur les deux pailles. Donc là, je vais faire mes marques tout de suite. Donc, une marque à 1 cm. Ma marque de coupe à 12,5. Et 1 cm. Voilà. Hop. Alors je recoupe. Voilà. Donc maintenant, sur les deux pailles qu'on a utilisées, avec encore une fois le cutter ou un ciseau comme vous êtes le plus à l'aise, la plus à l'aise, on va dire. On va venir faire des petites entailles sur les 1 cm des bords là. On va couper là comme ça, à plusieurs reprises, mais pas plus loin que les 1 cm. Donc on y va. Alors si vous faites ça au cutter, vous y allez doucement, hein. Faut pas vous entailler les doigts. Hein. Et puis vous faites pas des entailles de 2 millimètres. Hein. Ouais, je pense que là c'est bon. J'en ai fait 4. Donc là normalement on est bon. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et on fait ça sur les deux pailles. Voilà. Donc, j'ai déjà coupé mon papier comme tout à l'heure. Donc, comme tout à l'heure, on va remarquer les plis. Voilà. Donc, on marque les plis sur les pointillés. Voilà.
là. Donc, que je me souvienne, voilà. Comme ceci, et ça comme ceci. Là et voilà comme ça et ça comme tout à l'heure alors si vous vous demandez pourquoi je l'ai fait dans un sens et après je les retourne c'est tout simplement parce que j'ai pas de bon là ça va, ça tombe presque, c'est pas tout à fait dans l'angle, donc pour être sûr de plier bien comme il faut, je plie déjà du côté où je vois les marques, voilà, et après ça se plie tout seul dans l'autre sens, tout bêtement. Pareil là. Vous voyez, quand je vous dis que c'est les plis les plus longs, c'est vrai. Hein, voilà, mes plis sont faits. Alors, je vais venir coller mes deux côtés comme ça en premier. Donc, je vais mettre mon double face. Voilà. Et voilà. Là. Allez pour celui-ci. Voilà. Donc, non, c'est pas le bon. On va venir retirer là. On va venir le coller sur notre carré. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Allez, maintenant on va venir s'occuper de ceux-là. Donc, là, hop, je vais l'ouvrir. Là, on va y venir. On va venir mettre du double face. Comme ceci. Pareil pour l'autre. Et là, on vient bien marquer le pli quand même. Alors, c'est là que vont intervenir les pailles. Donc,
Donc on va faire passer une paille dans le trou comme ceci et on va venir ouvrir les petits morceaux qu'on a découpés tout à l'heure comme ceci. Voilà. Hop. Ça va vous donner ça. On va faire pareil avec la deuxième. Donc, jusqu'au trait. Comme ceci. Voilà. Ça nous donne ça. Et bien là, on va déjà venir y mettre un morceau de scotch. Oups. Allez, on met un morceau. Voilà. Alors, si vous voyez que... Si vous voyez que là, ce que j'allais appeler les pales, mais les petits morceaux sont trop longs, vous pouvez les recouper. Hein. Voilà. On met un morceau de scotch. Et on vient coller. Alors là, moi, je vais utiliser de la colle. Voilà. Bon, allez, c'est bouché. C'est pas grave. On va en prendre une autre. Voilà. Et on vient coller bien comme il faut. Alors, on peut y mettre des pinces. Hop. Et hop, voilà. Tant que d'un côté ça sèche, et ben on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc je passe mes deux morceaux de paille à l'intérieur, comme ceci. On vient plier les bords. Comme tout à l'heure, je vous disais, on peut couper. Je... Là, vous voyez, on va couper un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Donc on fait en sorte de bien les mettre comme ceci. On va y mettre du scotch. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'autant de scotch. Je vais retirer un petit peu si j'arrive. Voilà. Et on va venir coller. Voilà. Donc, on va venir prendre les pinces qu'on a utilisé juste avant.
Voilà. Donc j'allais dire notre mécanisme, c'est pas un mécanisme, mais voilà, notre rangement est en bonne voie. Bon, on va attendre un petit peu. Bon, je pense que c'est bon. Il n'y a pas. Ouais, c'est bon. Allez. Alors là, on va retirer ici l'opercule du bout de face et on va venir coller. Comme ceci. Et je me suis encore trompée, j'ai encore oublié. Bon. En fait, avant de coller les rebords, j'aurais dû venir coller ça pour qu'il soit caché. Vous voyez? Je sais pas si je vais pouvoir. Je vais essayer. Ça fait deux fois que je l'ai fait et deux fois que j'oublie. Donc là, on est bien dans. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, hein. Voilà. Hop, je suis pas sûr que j'arriverai à. Voilà, en fait, il faut venir le mettre à l'intérieur comme ceci. Alors là, je vais peut-être arriver à le faire si c'est pas trop collé. Voilà. Voilà. Ceci. Là, on va voir si c'est déjà fort collé ou pas. Ah non, ça devrait aller. Hop. Ouais, ça va. Je peux décoller. Donc, je retire. On va y arriver. Hop, là, la languette de mon double face. Comme ceci. Je viens bien le coller comme il faut. Là. Voilà. Et les languettes, je retire mon double face et je viens les passer à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, parce que là, quand même, c'est nettement plus joli comme ça. Hop. Voilà. Et notre boîte pour arranger nos Memory Dex est terminée. Voilà. Et on peut venir les mettre comme ceci. Alors moi, je prends des pailles, vous voyez, des petites pailles. Et ça rentre parfaitement bien. Alors, on va doucement quand il faut les mettre. Parce que forcément, là, c'est plus petit. Mais en y allant doucement, après, notre Memory Dex vient super bien. Voilà. Hop. Et hop. Voilà notre petite boîte pour Memory Dex. Donc cette boîte-là, ce principe-là, vous pouvez le faire sans ces dials-là. Et à la dimension que vous voulez, la grandeur que vous voulez. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Enfin si, la grandeur va dépendre de vos pailles. Voilà. Et oui, parce que moi, mes pailles font 20 cm, donc si on retire même ne serait-ce qu'un demi centimètre de chaque côté pour pouvoir coller comme je vous ai montré là, ça nous fait une boîte de 19 cm de long. Ouais, voilà. Donc, mais bon, voilà, j'ai enfin trouvé à quoi servaient ces dies pour certains, et je trouve ça franchement super bien. Là, qu'on ait la boîte pour les ranger, ou celle-ci, pareil. Je trouve ça vraiment top.
Alors bon, moi là je vous les ai fait, j'ai envie de dire bruts. Mais après, vous les décorez comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre du papier déco, faire des tamponnages, enfin, tout ce que vous voulez. Après, c'est pareil. J'ai ma copine Ziboulette, elle me dit, oui, mais si tu veux l'offrir, tu fais comment pour l'envoyer? Eh ben, c'est tout simple, hein. Vous faites les découpes, vous laissez les découpes à plat, et puis ben, vous pouvez les envoyer comme ça, et puis vous dites à la copine, ben, tu montes ta boîte. Et si tu sais pas comment faire, bah, tu vas voir le tuto de Mimi. Voilà. Voilà. Bon, vous avez vu, c'est pas compliqué. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de ces dies. Il y en a beaucoup. C'est vrai que. Et ils sont vraiment super. Et en plus, c'est pas uniquement pour les memory decks. Je vous dis, les dies bordure et tout, on peut vraiment s'en servir pour d'autres choses. Donc, c'est top. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Vous voyez. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, le petit bémol pour l'intercalaire, ben, c'est que là, on ne le voit pas, mon intercalaire. Vous voyez, toutes mes cartes sont mises, là c'est les plus grandes, et ben on ne le voit pas. Voilà. Donc ça c'est dommage. Mais on peut toujours trouver une solution. À la limite, on découpe l'intercalaire sur un autre morceau qu'on vient recoller ou. On est scrapeuse, donc on trouve toujours des solutions. Voilà, des petites astuces. Vous voyez, hop, tout est rangé. Donc ben voilà, c'était mes petites memory decks avec deux boîtes de rangement au choix. Donc ben n'oubliez pas, les Globeland vous offre 10% de réduction avec le code 10 Mimi. Alors le premier M de Mimi. En majuscule, mais vous avez toutes les infos en barre de description. Bon, bah 10%, c'est sympa, hein, d'autant que les produits sont vraiment bien. Enfin, moi, ça fait longtemps que je les connais et vraiment, j'apprécie beaucoup cette boutique. Ils font de bons produits et qui durent dans le temps aussi. Les dies se coupent parfaitement bien. Les tampons, j'ai jamais eu aucun souci pour tamponner. Quand on voit là les tampons. Je les ai pas tamponnés 36 fois. Hein. J'ai mis de l'encre et j'ai tamponné directement. J'ai même pas passé un coup de gomme ou quoi que ce soit dessus. Hein. Ça a tamponné super bien tout de suite. Donc voilà. Bon bah écoutez, voilà ma petite vidéo du samedi que je vous poste de suite pour vous dire il est 18h05. Quand je vous disais que vous les aviez presque en live, c'est ça. On va dire que dans une grosse demi-heure, vous l'avez, vous pourrez la regarder. Bon, ben moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!